Quand l'année dernière, en sortie de confinement, t'entends à tue-tête sur les télés, les radios, que le français est devenu totalement égoïste, qu'il pense plus qu'à lui, qu'il reste chez lui, et qu'il s'ouvre plus à personne, et qu'il va même plus dans les associations, qu'il donne plus d'argent nulle part, et qu'il pense qu'à lui. Ah ouais, ok, j'ai envie de faire Gallia 480. Un événement qui te fait faire 5000 km de vélo sur un tracé très français au travers des quatre coins de la France, de 5000 km, et je me dis que je vais y faire en 20 jours. Parce que j'avais l'idée de faire Paris-Dakar, et donc je reprends les mêmes proportions, donc ce qui m'a poussé à faire 270 km de vélo par jour. Alors, il dit non, c'est incroyable et tout, ça marque. Les gens se disent, à quoi 270 km de vélo par jour? Avec une météo toujours avec aussi dégueulasse. Oui, et là les gens focalisent là-dessus, c'est un événement remarqué, remarquable, sauf que le message derrière, il était inévitable que je voulais montrer à tout le monde que le français n'est pas du tout comme ça, comme les médias nous le vendaient en sortie de confinement. Et donc, il est hors de question de savoir où j'allais dormir le soir. C'était ni l'hôtel, ni quoi que ce soit. Mais on utilisait les réseaux sociaux, qui est le moyen d'expression actuel, qui est le moyen de communication actuel. Et Joy balançait le midi, Stéphane arrive ce soir dans tel village. Est-ce que quelqu'un se propose pour l'accueillir, pour dormir chez lui, lui donner à bouffer, vous raconter un peu ce qu'il a vécu aujourd'hui, lui sécher légèrement ses affaires. C'était la condition. Est-ce que vous avez un sèche-linge? Vous avez à bouffer, mais surtout un sèche-linge. Et à partir de là, et effectivement, je n'ai jamais... À aucun soir, je n'ai pas dormi dans un lit chez quelqu'un avec qui on a eu l'hospitalité, avec des fois une réponse ou deux réponses, des fois zéro réponse, mais des gens dans la rue qu'on interpelle, que j'interpelle et qui se retrouvent à dire « mais oui, bah, venez à la maison, je ne connaissais pas votre projet », jusqu'à des moments dans le Nord où c'était entre 30 et 50 personnes qui se proposaient tous les soirs. Donc voilà le message, tu vois, j'aurais pu très bien aller à l'hôtel, ou j'aurais pu très bien… Ben non, c'était hors de question. C'était « je mets un événement remarquable ». Ça attire la curiosité, ou mais il est complètement con, mais c'est incroyable, mais c'est quoi son truc? Et derrière, je délivre un message. Ça, c'était ma façon de m'expliquer. Exactement pareil au NEC, l'idée va être exactement la même.